Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour la suite des agréofolies. Donc du coup aujourd'hui on se dirige pour la dernière fauche de la luzerne et ensuite on va la rebeuiller pour mettre du blé. N'est-ce pas, du blé. Donc on a 110 000 balles. Nous arrivons au mois d'octobre. J'ai tout semé, l'orge et la moutarde. Donc la moutarde est dans le 26, 22, 23 et 8. Et l'orge est dans le 19-21 et le 75. Et on mettra du blé dans le 99, le 49 et dans le 83, évidemment. Et donc, du coup, avant ce, eh ben, il faut faucher une dernière fois. Mais je pense qu'avec 90 bottes de luzerne par coup, parce que ça fait déjà 3 coupes qu'on fait. On va vendre la botte et on va faire un peu de pognon. Et tant mieux, hein, je vais pas m'en plaindre. Justement, c'était le but. Ça va faire du pognon à la fin de l'année. Hein. Et tant mieux. Allez, on est parti. Dernière fauche de la luzerne avant de la retourner gentiment. Qu'est-ce que nous avons eu aussi? Nous avons eu des nouveaux veaux. Un seul nouveau veau. Et là, on commence à avoir 2, 3, 4, 5 et 6. 6 taureaux, dont un qui va pouvoir partir au zigouillage. Une fois qu'on aura fait les ventes d'hiver, on placera tranquillement l'usine à viande. Et ensuite, on verra... sur quelle usine on rattaque, en sachant que le lait ça dégueule presque, hein, ça y est, c'est officiel, il va falloir soit acheter la deuxième usine de lait, ou alors soit on vend du lait comme ça, peu importe, donc il y a ça, et j'ai vu sur le mode, donc ça vous m'en reparlerez plus tard, il doit y avoir d'autres usines, hein, il n'y a pas que celle que je vais vous dire, il y a l'usine de pâte aussi, mais pour ça il nous faudra l'usine à farine. Si je vous dis pas de conneries, il faudra certainement d'autres choses. Mais j'avais dit que moi je plaçais l'usine à viande et après c'est vous qui décidez des prochaines. Et donc du coup voilà, normalement je pense qu'à la fin de l'hiver avec les ventes, on va probablement boucher le prêt. Attendez, c'est où cette merde? C'est là. 564 000 il reste de prêt. Donc soit on bouche le prêt, on s'occupe de placer l'usine et on voit après ce qu'il nous reste. Soit on garde le prêt et on place l'usine quand même et après on voit ce qu'on fait. Et en plus il y aura la charpente à vendre, mais je ne sais jamais quand c'est. Ça a déjà changé de date, c'est rigolo ça. Attendez, que je vous montre ce. Donc je regardais ça juste avant en plus. Non, c'est au mois de mai, c'est bon, il l'a remis au bon moment, parce qu'à un moment donné, c'était au mois de janvier, donc j'ai dit, tiens, ça change. Donc pareil, sortie d'hiver, deux mois près, on va revendre la charpente par-dessus, donc d'ailleurs, je ne sais pas où on en est dans le stockage, il faudra que j'aille voir si on n'est pas plein. En tout cas, en planche, on est plein. Hein. On est plein, et il faudra refaire le plein de l'usine, certainement. Je suis pas allé voir les arbres, on ira peut-être voir tout à l'heure si j'y pense avant de couper la vidéo. Et on ira voir ce. On ira voir ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Donc les lives, ce week-end, on fait du farmage vendredi, donc normalement cette vidéo-là... Quel jour on est, bordel de chiasse? On est mardi. Donc cette vidéo-là, c'est mercredi. Alors ce soir, Resident Evil... Donc la fin du 3 et probablement le début du 4, ça dépend si je traîne en chemin ou si tout se passe bien évidemment. Vendredi on fait du farmage et samedi c'est au choix, mais vu comme c'est parti, je sens qu'on va aller faire du pampan. Parce que ça a l'air de vous plaire, d'autant plus qu'on joue ensemble, donc c'est quand même plutôt sympa. On va pas se le cacher. C'est plutôt cool de pouvoir jouer un petit peu ensemble sur un jeu. Je dis pas que je voudrais pas sur farming. Mais vous savez ce qui s'est passé les dernières fois. Et du coup, il faudrait que je fasse deux séries. Parce que... c'est compliqué. Plus on est sur une partie et plus c'est compliqué de s'organiser. Hein. Vous avez déjà vu avec la team qui... pour trois d'entre eux... Donc je parle de Chris. Chris, Maki et Vito. Ils sont à fond sur Arc. Avec les petites nouvelles qu'on a des FS25. J'ai vu que Chris avait l'air d'être emballé, je ne sais pas pour les deux autres. Et puis après, bah, Toitouane moins IP hein, par farming en ce moment. Puis le prochain, il pourra pas le lancer. Donc du coup, comme ça, il sera bien mieux. Et puis Rémi, c'est le foot. Hein.
Et puis Jon, il lance pas trop le PC en ce moment, donc c'est pour ça qu'il est absent. Encore plus qu'avant, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand on était tous là, l'histoire de plusieurs fermes, c'était une bonne idée, mais faut s'organiser avant. C'est-à-dire, soit on met le serveur en x1 et point barre, il tourne même quand on n'est pas là, et bon, fois si t'as pas pu traiter tes céréales ou que t'as pas pu faucher et que t'as perdu un jour pour faucher ton foin par exemple, bah tant pis pour toi, voilà, c'est le serveur qui dirige. Ou alors on met un responsable par ferme, mais et voilà, ça dépend du temps de jeu, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que moi c'est pas une absolue nécessité d'avancer sur une partie, mais tout de même, on va pas faire du surplace pendant 1000 ans. Je pense que vous l'aurez compris. Déjà là, c'est vrai que si on fait une comparaison avec les anciennes séries, donc sur le 19 et sur le 17, effectivement j'avais plus tendance à tartiner mes longs morts pour en faire le plus possible. Là j'étais parti plutôt dans un truc de faire des longues séries, comme ça on avait le temps de découvrir la map correctement, on avait le temps de la poncer, etc. Du coup sur le 25, suivant comme seront les maps, suivant comme sera le jeu, moi personnellement je vous dirai mon avis à ce moment là si on repart sur des séries longues ou sur des séries courtes, étant donné qu'il y a la déformation du sol et qu'on a quelques infos supplémentaires où il faudra passer des outils pour remettre le terrain en ordre, et ce ne sera pas une simple image en mode de l'instant qu'il s'arrête de pleuvoir, ben, le terrain sera en ordre tout seul, là ce sera pas le cas. Et quand il pleut, on s'enfoncera plus dans le sol que quand il fait beau. Donc il va y avoir une histoire d'humidité. Donc du coup, c'est à ça que s'arrêtent les infos que j'ai pour le moment. Mais est-ce que le tassement du sol ou le fait qu'il y ait des ornières, ça impactera sur le rendement? Dans ce cas-là, il faudra s'appliquer à faire les fourrières à la fin, en semant, et non les faire en tournant. Voilà, vous l'aurez compris. Histoire qu'il n'y ait que sur les fourrières qu'il y ait une baisse de rendement et pas en plein milieu du champ. Donc tu vois, ça rallonge vite la sauce. Parce que c'est vrai que là, on a tendance à semer, moi le premier, hein, c'est vrai que non, je fais pas ça très proprement, on va dire. Puisque normalement, le semis, bah, tu fais des semis de céréales, tu fais bien des lignes, et à la fin, tu fais les fourrières. Et le maïs, c'est différent. Le maïs, tu fais 2-3 tours, enfin, même peut-être plus que ça, 3-4 tours, on va dire, et ensuite, tu fais des lignes. Ça dépend, tout dépend des techniques de chacun, hein, mais en tout cas chez moi c'est comme ça que ça se passe. Ça prend du temps, hein, quand tu t'appliques, parce que c'est vrai que quand tu sèmes en tournant, évidemment, ça va vite. Hein. Là, tu relèves, hop, tu fais attention à ne pas faire une chier de manœuvre à chaque fois pour pas être troquer du tassement de sol et tout, tu t'enfonces pas trop. Donc tu vois, rien que ça prend déjà un peu plus de temps. Donc faire des séries. Backlash, je sais pas si ce sera trop dans mon optique pour le prochain farming, mais bon, écoutez, on verra. Je vous disais le dernier coup, le GPS, je vais pas m'en servir du tout, mais il se trouve que le GPS, c'est pas réellement que le GPS, c'est le GPS et le course play qui sont confusionnés en quelque sorte. Alors en mode simple, hein, ils ont simplifié le truc pour tout le monde, surtout moi, ça m'arrange, mais là dans ces cas-là. Dans ces cas-là, peut-être que. Parce que moi, l'histoire du GPS, c'est que tu es obligé de rester dans la cabine pour faire un demi-tour au bout et ça me casse les couilles. En gros, tu regardes le tracteur travailler et ça me saoule. Tandis que le course play, tu peux y donner l'ordre de faire le champ en entier. Dans ce cas-là, il se débrouille. Donc, c'est un ouvrier amélioré, hein, en quelque sorte. Hein. Et là, ça serait un peu plus intéressant. Ça m'intéresse beaucoup plus, d'ailleurs. Mais bon, ça, on n'en a pas besoin si, bien sûr, on est tous sur la partie. Évidemment. Ou même si on est rien que 3, voilà, disons que c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais bon, à voir ce qu'ils vont nous pondre comme autre chose d'ici là. Donc voilà, je vous dirai à quel moment je saurai si on repart sur des séries rapides ou sur des séries longues, mais je pense et partir du principe que ce sera des longues, étant donné que il faudra faire attention. Il faudra faire attention au moment où tu fauches, au moment où tu sèmes, au moment où tu récoltes, histoire de pas rezoper les champs. Et après, ça se réglera avec de la sous-soleuse et de la charrue, en sachant que des sous-soleuses d'origine, on n'en a pas. Alors, si c'est la traduction exacte, parce que s'ils ont traduit
sous-soleuse par décompacteur. Des décompacteurs, on en a déjà. Mais voilà, faudra, pour refaire un terrain propre, il faudra utiliser ces outils-là. Donc, dans les prix, il faudra être assez prudent en mode, il faut pas faucher n'importe quand, parce que autrement, tu es obligé de retourner ta peinture. Enfin, ta peinture, tu es obligé de retourner ton prix pour refaire une parcelle propre. Donc assez intéressant. Donc voilà, je vous dirai à ce moment-là. Bref, c'était pas du tout ça. Si, il y avait une partie de ça que je voulais vous parler, mais effectivement, je me suis emballé et donc du coup, j'ai oublié le reste de ce que je voulais vous dire. Si, ça y est, ça me revient. Vous savez qu'on n'est pas trop blindé en termes de jeu en ce moment. Hein. C'est vrai que j'ai relancé les Resident Evil, mais c'est pas de la nouveauté. C'est vraiment parce que moi j'avais envie de me faire plaisir dessus. Et il y en a une poignée d'entre vous qui aiment ça. Sinon, on a Farming. Et c'est vrai que Drug Dealer, j'ai vu qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui coincent un peu sur le jeu. Mais malheureusement, on a que ça en ce moment pour vous. En tout cas, je dis ça parce que moi j'aime bien le jeu. J'avancerai peut-être un peu plus hors ligne. On se retrouvera que pour les trucs principaux, on va dire, pour la suite. Mais donc, du coup, on n'est pas trop blindax niveau autre jeu pour ce mois de juillet. Il y a, je crois que c'est aux alentours du 15, un prologue qui va venir. J'ai fait une demande. Enfin, j'ai fait une demande, même si je ne sais pas accepter. Disons que, en toute logique, un prologue, c'est gratuit. Donc, c'est un truc de car mécanique, racing, je sais plus quoi, truc, mes couilles en ski. Attendez, je vous montre ce... J'en ai partout dans la liste de souhaits, c'est incroyable. Où c'est que je l'ai vu ce machin là? Oui, il y a le prochain Civ qui sort l'année prochaine. Ça me fait bien plaisir, même si je serais pas foutu de vous expliquer les principes du jeu, même si on en fait. Ça, c'est pas Car Mechanic Manager. Il y a un truc avec le Racing. Rally Mechanic Simulator. Est-ce que c'est ça, Rally Mechanic Simulator, mais en prologue? Putain, je suis un sac. Rallye mécanique, ça doit être ça. Normalement, le prologue sort aux alentours du 15. Oui, c'est ça. Il sort. Et c'est encore Playway qui le fait. Et donc, du coup, vous savez que j'ai pas un grand attachement avec eux. Mais beaucoup de jeux viennent d'eux. Hein, ceux que j'ai. Hein, donc, il y a peut-être une chance pour que j'ai le jeu en avance. Mais... le prologue sort le 12, j'ai dit de la merde. Donc on a ce jeu là pour après-demain, mais ça reste un prologue évidemment, donc de vidéo, et ça va être bouclé, 2 ou 3. Et donc du coup, je me suis permis d'aller poser une demande aux développeurs de Ship Graveyard Simulator pour avoir les DLC. Et j'ai presque envie de vous dire, même s'ils veulent pas me les envoyer, à la limite je les achète. Un par un, parce que ça me tente bien quand même d'aller faire les DLC, et puis ça bouche en quelque sorte un petit trou, puisque, comme je viens de le dire, on n'a pas 15 000 jeux, et donc du coup, voilà, on va ressortir, on va pas dire les vieux de la vieille, mais c'est des trucs que j'ai pas fait, et donc du coup, voilà. Pour Snow, je me tâte, hein, j'y ai pensé, et je me dis, à mon avis, j'ai plus les saves, ça me fait peur d'aller leur chercher le jeu. Je suis pas sûr de revoir les saves. Et après. Est-ce que, mis à part Gaëtan qui me l'a déjà réclamé, je sais pas combien de fois, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de revoir du snow, quoi? C'est ça que je veux dire par là. Du snow runner, je parle. Hein. Parce que du snow plowing, il n'y a pas eu de mage ces derniers temps. Et je crois qu'ils se concentrent pour le moment sur l'usure du matériel. Qui intervient un peu tard pour ceux qui ont déjà. Qui ont déjà un peu pulvérisé le jeu comme moi j'ai fait. Donc il aurait fallu que ça arrive un petit peu plus tôt, je pense que ça aurait pu être sympa, ou alors qu'ils attendent un petit peu avant de sortir le jeu. Mais je me dis, d'un autre côté, je suis pas trop en souci. S'ils rajoutent du contenu, ça donne l'occasion de soit d'aller continuer et là on aura l'usure du matériel, ou soit à la limite de recommencer le jeu et là bah voilà, hein, tu pars comme si t'avais que chi, et donc du coup tu tes outils. Après, est-ce qu'ils vont améliorer la difficulté du jeu? J'en ai absolument aucune idée, mais c'est vrai que je trouve ça assez simple et assez rapide d'obtenir des gros outils.
Ça serait quand même un peu plus cool si on se tapait plus de missions avec la PAO. Et ensuite, bah, plus de missions avec le petit pouce-pouce là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Avant de pouvoir obtenir plus gros. Mais bon, après, écoutez, c'est pas moi qui suis développeur de jeu. Mais je pense que là, même avec ce qu'ils nous avaient, même avec ce qu'ils nous ont mis à la sortie de l'Orly, hein, puisque c'est une Orly, s'ils avaient fait plus dur, je pense qu'on passait beaucoup plus d'heures dessus avant de stopper, quoi. Mais ça, après, écoutez, si c'est trop dur, ça fait ouin ouin, c'est jamais content. Et si c'est trop facile comme là, ben ça dure pas assez longtemps, quoi. Malheureusement. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. On verra bien ce que ça donnera. Et du coup, je reviens à FS25. Effectivement, il n'y aura toujours pas les portes qui s'ouvrent. Ça, ils l'ont dit et redit. Donc, pas de portes qui s'ouvrent. Alors, effectivement, au bout de quelques semaines, je suppose que les modeurs seront déjà intervenus sur le problème. Mais c'est quand même con, hein. Le mode passenger, donc le passenger qu'on avait dans le DLC Kubota sera mis d'origine du jeu, mais je ne sais pas s'il est mis pour tous les véhicules ou s'il est mis qu'avec le DLC Kubota qui sera d'origine du jeu, du coup. Donc du coup, à voir si on a sur tous les outils ou pas. Ce qui serait quand même, et ça j'en avais parlé, ce qui serait quand même vraiment appréciable pour les motos, puisque si tu joues le plus réaliste que tu peux, effectivement t'emmènes une benne, tracteur benne à un champ, pof, ton pote ou peu importe la vie que tu te seras fait, ton pote, ta femme, ton pote c'est ta femme ou ta femme c'est ton pote, peu importe, viens te chercher en moto, hop, il te ramène à la machine, tu repars avec la machine et voilà, c'est histoire de faire du réalisme, quoi. Et puis il y a des gens qui aiment bien le passenger, donc voilà. Et le Go Whale sera mis d'origine du jeu également. Je trouve ça limite cucul. Alors il parle que de ces deux là. Je trouve ça à la limite cucul la praline s'ils mettent pas tous les autres d'origine, mais bon. Enfin, en sachant qu'on aura les constructions d'origine du jeu, donc tout ce qui est DLC et plate, on l'a aussi, hein. Mais les constructions, est-ce qu'il y aura le fer et tout? Normalement, oui, hein. Parce que quand tu fais des constructs, t'as toujours besoin de fer. Mais pour le reste, on avait un DLC fois qui était pas si mal que ça, je trouve. Et ils en ont pas parlé du tout. On va se retaper un DLC fois, ça c'est sûr. En espérant qu'ils nous remettent pas exactement les mêmes outils qu'on a eu dans le 22. Ah, déconnez pas, faites pas les idiots. Là apparemment, c'est ce qu'on disait avec les autres, ils ont l'air quand même d'avoir un peu plus taffé qu'auparavant. Rien que pour le fait de s'enfoncer dans le sol et le GPS course play d'origine. Plus certains autres trucs qui seront d'origine dans le jeu. Alors s'il vous plaît, merdez pas et ne remettez pas le DLC copier-coller du 22, quoi. Commencez pas à repartir en couille dans le mauvais sens, hein. Donc on verra ça à ce moment-là, évidemment. Quand il sortira au mois de novembre. J'avais failli oublier la date déjà, hein. Je sais que c'est le 12, mais je ne me rappelais plus du mois. Donc on verra ça à ce moment-là, effectivement. Et c'est dans 4 mois et 3 jours. Voilà, tout simplement. Enfin, 4 mois et 3 jours pour moi. Et 4 mois et 2 jours pour vous. Bon, peu importe, un jour près, hein. Et du coup, on verra ce qu'ils vont nous pondre d'ici là. Parce qu'ils vont encore bien sortir une ou deux vidéos. On n'a pas vu l'aspect buffle. On a juste vu un buffle en trailer et c'est tout. On n'a pas vu les épinards. On n'a pas vu les buffles en quelque sorte. On n'a pas vu. On n'a pas vu l'enfoncement dans le sol. Parce que le fait de s'enfoncer dans le sol, c'est une image qu'ils ont mis à la FarmCon. Et en plus. Juste ça, pardon. Et sinon, ils ont juste fait des questions-réponses. Et c'est là qu'ils ont annoncé le truc. Donc on n'a pas vu de réelles images où le tracteur roule dans le champ et s'enfonce dans le sol, et ça il le garde pour plus tard. Et c'est comme on avait dit quand on en a parlé ensemble, c'était soit ils en gardaient sous le pied et c'est ce qu'ils ont fait en fin de compte, et tant mieux pour nous, hein. Soit ils en gardaient sous le pied, donc du coup ils ont montré, pas une infime partie, mais ils ont montré une petite partie de ce qu'on allait avoir sur le 25.
Ou alors soit ils avaient déjà déballé plus de la moitié de ce qu'ils allaient mettre et là ça allait couiner sa mère. Mais ça rassure quand même. Hein. On va pas dire que c'est du tout cuit parce que vous connaissez Giant aussi bien que moi. Même s'ils ont taffé pour plus de nouvelles choses et les trucs que la communauté demandait le plus, c'est-à-dire s'enfoncer dans le sol, doutez-vous bien qu'avec tout ça, les premiers jours de la sortie, voire même la première semaine ou les premiers 15 jours de la sortie, je suis pas sûr que ce soit au point à 100%, et on va bugger, évidemment. On va bugger. Alors ils ont bien précisé qu'on allait s'enfoncer dans le sol. Par contre, ils ont pas dit s'ils allaient nous mettre... S'ils allaient nous mettre une chaîne qu'on puisse se dépendre tout de même. Parce que je sais pas si on s'enfoncera dans le sol à ce point-là. Mais ça serait quand même bien. Mais j'espère qu'ils vont nous mettre une chaîne qu'on puisse se sortir de là-dedans. Et qui dit s'enfoncer dans le sol dit peut-être aussi le 4 roues motrices. Peut-être. On ne sait pas. Ça, j'en sais rien non plus. Je suis pute. Allez, messieurs, dames, on va stopper là pour ce soir. Pour aujourd'hui pour vous et ce soir pour moi. On se retrouve de toute façon vendredi pour du farming. Et puis on se retrouve ce soir pour une rue Resident Evil. J'arrive plus à parler. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.